Et on est de retour pour notre run impossible. Je viens de passer à peu près 10 minutes, je crois, à effacer mes sauvegardes de la première fois que j'ai joué, parce que j'ai pas sauvegardé en fait par-dessus. Et j'avais 176 sauvegardes. Ça m'a pris un petit moment. C'était fun. Oh là là. Ok, on est reparti. Oh la vache. Mal aux doigts, quoi. Porte niveau 1. Ok, très bien, très bien. Parfait. Là, on va commencer à s'amuser. Attendez, est-ce qu'on a... Pousse-toi, toi. On a des trucs à récupérer, je crois pas. Non, on a strictement rien, on y va. Ça. J'aime bien la petite musique à chaque fois. Ok, on est bon. Ah, il n'y a pas l'animation, genre le rig qui analyse l'arme. Ah, j'aimais bien moi ça. J'aimais beaucoup ça. Alors, hop, on active le tram. Enfin, on le débloque ici plutôt. Merci de rien, au revoir. Voilà, très bien. Isaac, have you heard from Daniels? We were attacked. She ran the other way. No, nothing. Medical's a slaughterhouse. They barricaded access to the morgue. The morgue? Yeah. But the barricade was put together in a hurry. The hydrazine tank might blow it open. Just need a detonator, like maybe a shock pad. The call could be through there if... Isaac. The one who attacked us. I swear to God it was Chen. But... I saw him die. If they barricaded the morgue... Maybe it was to keep something in. Tellement dramatique. C'est sorti de vidéoconférence. Ça me rend fou, moi. Ça met tellement de temps à s'effacer. C'est vraiment pour être dramatique. Oh la vache. Alors. On va garder deux stacks pour le moment. Très bien, comme d'habitude, la sauvegarde. Ok, parfait. Du coup, à la recherche du réservoir. Eh, ça va? Pas vraiment. Hein. Ah, les temps sont durs. Il paraît que les voix qu'on entend, il y en a en latin, je crois.
Je sais plus exactement ce que ça veut dire. C'est un peu comme pour ceux qui ont vu genre Event Horizon. C'est un peu le même. Le même côté creepy. C'était quoi la phrase dans Event Horizon? C'était Liberate me. Ou Liberate. Non, Liberate. Je sais plus quoi. Genre. Libérez-nous, libérez-vous. Je sais pas. De l'enfer. Un truc comme ça. Oui, on est là. Je vais être honnête, je suis pas assez bon pour genre leur couper les griffes et après la rattraper. Je vais pas assez vite, honnêtement. Donc, à moins qu'on les stase et tout, que là j'ai le temps de découper genre une main et après l'utiliser contre eux. Mais je vais pas le faire. Je vais rester au. Je vais rester à couper les jambes et après les écraser. Peut-être à la souris, ça passerait mieux. Là, c'est niveau 2. Patient log retrieved. I hear the tests on patient Harris were inconclusive. Given the reports from the colony, he's lucky to have his faculties at all. Well, a divine experience would leave an impression on anyone's mind. Perhaps. But I saw nothing divine in all that blood. The suicides. But this is a revelation, Terrence. We just need more insight to translate it. You think this insight can be found in Mr. Harris's psyche? I'm positive. And with Captain Matthias barring any visits to Aegis 7, this fellow may be our best chance. Things are complicated enough already. I can't sign off on this. You'll do what's best, of course, but how long can we afford to wait? Okay, j'ai 6 balles. Alors, on a encore un point. Pour le moment, on n'a pas besoin. La durée de la stase, ça peut être intéressant. Ou sinon, on prend la zone. Ou alors, on augmente la capacité du cutter. Bon, après, on a énormément de munitions. Donc, honnêtement, on n'a pas vraiment besoin de faire des économies. Ça, je voudrais bien, par contre, utiliser la capacité quand on aura vidé le chargeur. Ce qu'on pourrait faire, c'est la zone de stase. Ouais, la zone de stase. Ça, j'aime beaucoup la zone de stase. Ça aide énormément. Sinon, il n'y a plus rien à faire ici. Un truc qui est bien que j'adore dans le remake aussi, c'est que c'est tellement facile de prendre des objets avec nous et de les garder en fait très longtemps. Et c'est vraiment cool. Alors, ascenseur. Celui-là, il est bien chiant à tuer. Ah, t'as pas aimé, hein? Ouais. Il s'est mis derrière la vitre et il me fait ouah maintenant. C'est sympa ça. J'ai jamais fait gaffe. Est-ce qu'on peut. Non. Ça.
aussi. Hola, ¿qué tal? Hombre. Infidèle. Je sais pas dire infidèle en espagnol, par contre. Par là, on a 9, ça va. Très bien. Là, c'est du niveau 2. Texte. Ah, putain, il m'a fait peur, ce con. Je sais pas s'il vient nous voir ou pas. Je crois pas. Saloperie. Ballon. C'est bien. Ça garde. Là. Donc comique hein ces nécromorphes, on rigole hein. J'ai mis où ma griffe. Bon ben la griffe elle restera là. Entering vacuum. Entering zero gravity. Ok, très bien. Très bien. Je sais pas s'il y a des trucs à ramasser dans l'air, dans le. Enfin dans le vide, je veux dire. Qui traînent. J'ai tout récupéré ce qu'il y avait sur le chemin. Mais... J'aime beaucoup aussi cet endroit là. Où les lumières en fait s'allument petit à petit et tout pour vous montrer la grandeur du truc. C'est vraiment cool. Ouais, non, on a la stase qui va passer. Prendre son temps tant qu'il n'y a personne. Et là, c'est tout des gens. La première fois que j'ai joué, j'avais pas vraiment fait attention, mais ça, c'est la zone de médicale en fait, où ils traitent les gens en 0G. C'est intéressant. Exiting zero gravity. No sign of her yet, but I found some hydrazine that should work on the barricade. I just need to find a shock pad. Okay, work fast, Isaac. Ah, ouais, ouais. Entering zero gravity. Oh la vache. C'est honnêtement une perte de temps. Bon après tu nous as donné des crédits, mais est-ce que ça valait le coup?
whole ship. I'll check it out. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Ah, je crois pas qu'il y ait des... Par contre, c'est super beau, les éclats et tout qui volent. Mais je... Oh, ah oui, ça. Je crois pas qu'il y ait d'autres choses à récupérer. Qui volent, hein, je parle, bien sûr. Ok, très bien. Genre là, non, il n'y a rien. Très bien. Poussez-vous, poussez-vous. Merci. Il y a cette salle, j'y suis jamais allé dans ma première fois. Mais bon, il n'y a pas de truc important parce que j'ai débloqué toutes les améliorations d'armes. Mais cet endroit, apparemment, on ne peut plus y revenir à un certain moment du jeu. Je pense que c'est quand l'Ishimori se fait... heurté par le... Par le Valor. Il m'a touché. Merde, il m'a touché ce con. Ah la vache. Ouais, je crois que c'est quand le Ishimura se fait toucher par le Valor, après on peut plus y accéder. Putain, il m'a fait des dégâts cet enfoiré. Ou à moins que c'est moi qui ai pas pensé à passer par la cage d'ascenseur, j'en sais rien en fait. Peut-être moi en fait. Ah non, fallait peut-être passer par là en fait. Et ouais ouais, non, c'était peut-être là en fait, c'était peut-être ça. Je sais pas. Je sais pas. Bon, ça fait chier. Bon, plus jamais j'essaye de leur faire des écrasements à eux. Il faut que la stase dure plus longtemps. Pour eux. Ils sont plus résistants, ils font quand même bien. Ils sont rapides en fait, ils sont plus rapides que les nécromorphes normaux. Mais non, j'ai pas sursauté. Non mais là, on est la merde. Saloperie. Tout va bien. Je devrais prendre des griffes, j'ai pas pris de griffes. On va regarder le magasin. Personne m'attaque. Merci. Ok, très bien, on peut faire des mines maintenant. Nickel. On a 0 points. Ouais, pour le moment, ça va, ça ira. Si jamais on se refait toucher, j'utiliserai un petit soin. Notre stas, par contre, elle est pas bonne. Ah, vous voyez? C'était pas comme ça avant, le coup du brouillard, là. Il n'y en avait pas autant. Donc le jeu, en fait, génère... Merci. Le jeu génère des atmosphères, en fait, pour chaque salle où vous revenez automatiquement. C'est vraiment... Enfin, aléatoirement. C'est vraiment cool.
vais être honnête, je crois que je l'ai jamais vu cette salle. Enfin, on va sauvegarder. J'ai sauvegardé déjà, je sais plus. On va sauvegarder. Ok, très bien. Je crois que je l'ai jamais eu cette salle en brouillard comme ça. Ah, d'accord. Ça valait le coup. Merde, je l'ai détruit. Ah oui, ici c'est... pas méga drôle. Ok, on est... Hazardous anomaly detected. Quarantine activated. Ok, on est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai utilisé du soin. Ah putain. J'ai appuyé trop vite sur les touches. Ah, ça a utilisé un gros soin en plus. Ah là là, qu'est-ce que ça m'embête ça. Ah. Aïe 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 aïe. Le soin qui est parti. Non, je suis pas appuyé sur Y. Ça, c'est... ces trucs-là sont vraiment magnifiques. Ça one-shot quasiment tous les xénos. Ah putain, je suis dégoûté le coup du soin là. Oh. En plus, j'ai vraiment l'impression que ça utilise toujours les plus gros soins. Enfin, je pense que en gros, le petit soin était pas suffisant. Du coup, ça a utilisé le gros, fait chier. Surgical log. Dr. Janice Mercer. Copy to my secure terminal. I convinced Jurgens to show me the video feed from the colony. It's remarkable to finally see what I've sought all my life. The miners, this transformation, to be my death self. Kain is erring on the side of caution. His faith has been shaken by these necromorphs, as he calls them. How strange. But my own faith has been so richly rewarded. Nicole. With or without Kain. It's me. I must study one of these creatures.
creatures. Or the next best thing. Gunner's patient, for example. Personal log, Dr. Nicole Brennan. With medication and zero-G therapy, patient Harris is showing improvements. If this continues, there might be hope for the others on Aegis 7. However, Dr. Marcia continues to interfere. He claims Harris's delusions are religiously significant. If I have to make a complaint, I will. I'm not losing my patient over unitology bullshit. Not again. Tracking creep signal. L'unitology. Rig location? Inconclusive. Manual rig tracking is available. Et ça, c'est le début de des missions secondaires. Très importante si vous voulez bon, récupérer beaucoup de choses en fait niveau gameplay, mais surtout apprendre pas mal de choses sur Nicole et Isaac. Très bien. Ok, on avance. Plan pour les recharges de stase, c'est nickel. Très bien. De toute façon, on n'a pas de points, je crois. Non. Ce qu'on va faire la prochaine fois, si jamais on se fait toucher... Il faudra se soigner comme ça. Ça permet d'économiser les soins. Après, ouais, la capacité. L'arme de le fusil d'assaut, je l'ai pas rechargé. On a encore une grenade dispo. Ouais. C'est 25. Une mine, pardon. C'est des mines, c'est pas des grenades. Moi, je l'utilise comme un lance-grenade, hein, honnêtement. Mais c'est des mines. Tiens, on va sauvegarder. Bien. Ah, les bébés. On a d'autres ou pas? Peut-être qu'on monte. Non, là. Très bien. Qu'est-ce que c'est bien ces javelots là. J'adore ces trucs là. Magnifique. Parfait. J'en ai mis un par terre là. On en comprendra. Ça fait économiser quand même énormément de munitions. Parfait, touche pas à l'électricité, ça pique. Voilà. Daniels isn't answering her rig link. What's your status? I found a shock pad I can use on the barricade. I'm heading back there now. Watch the voltage on that pad.
I'm not losing anyone else. T'inquiète pas, on est professionnels. Du coup, ouais, on repart. Oh putain. Merde, j'arrive pas. Okay. Bien. J'ai pris les deux. Ouais, sûrement. Ok. Donc un truc qu'on peut faire vu qu'on a un point. Faut que je recharge ma stase aussi. Alors, je crois qu'il y a un établi par là. Je suis pas complètement certain en fait. Là, il y a un établi, mais il faut revenir en arrière. Mais ouais, on va recharger notre stase d'abord. Par là, je me suis paumé encore. Je vois rien du tout. Ils sont chiants les petits à jouer. Ça pour recharger notre stase quoi. Mais bon, on a besoin. Ouais, non. Voilà. Ah si, 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 on peut. On a un point. Hein. Yes. S'il vous plaît, m'attaquez pas. Là aussi, cette salle était souvent dans le noir pour moi. Maintenant, je m'en rends compte qu'en fait, c'est tout fait aléatoirement. Quoi. Genre, l'ambiance de chaque salle est décidée aléatoirement. Saut, capacité. Voilà. On va augmenter les dégâts aussi, mais il me faudrait un point. Il faudrait que j'aille me acheter un point, en fait. Voilà, 60. balles gratuites. On est bon. Oh la vache! Oh!
pas super heureux de ce qui vient de se passer. Je crois qu'on n'a pas fini. Ouais, pas des mages d'Oise là. Enfin bref, ouais, ça va. Bon. Le corps du Capitan. Fouiller les urgences, ça marche. Le pire endroit pour moi de l'Ishimura, c'est le médical. C'est vraiment le... Le médical est vraiment une horreur, honnêtement. Alors, on va faire ça, fais voir un peu. On a... Est-ce qu'on va recharger? Quoique non, pour l'instant ça va. On va faire comme ça, voilà, on a deux stacks de munitions de chaque arme. Très bien. Sauvegarde. When you reach the morgue, find Captain Mathias's body. Get his rig codes, and the computer's all ours. Ça marche. Bien reçu, capitaine. Cutter plasma. J'espère que c'est le feu. Comme ça, on pourra directement aller où je veux, en fait, pour les améliorations. Honnêtement, je vais copier-coller ce que je faisais dans la première partie, parce que les quatre armes que j'utilisais, c'était pour moi les meilleures. Elles fixaient tous les problèmes, en fait. Alors, attends. Il faut que je vois où sont les armes. Est-ce qu'on a des trucs à balancer? On n'a pas vraiment de trucs à balancer. Ouais, on n'a pas grand chose à balancer. Ah oui, unité d'énergie dans les douches. Je crois qu'on va se faire attaquer. Non. Non, ok. On va laisser ça là. Ah, personne. Ok, c'est bon. On sait jamais. Medical log, Dr. Nicole Brennan. So much for being paranoid. I repurposed this room to run counseling sessions without unitologists interfering. Now it's the only place I feel safe. I recovered a limb after yesterday's attack. Genetically, it's human tissue with bizarre mutations, but it's just a sample. It's not enough to figure out a cure. I need...
Wait, where's that report from engineering? Here. The engineer has pulled something out of machinery. Limbs missing, torso intact. Okay. Time for a real autopsy. Okay. Ok, trouver le lieu de l'autopsie. Maintenant. Bah. Là. Ok. Ok. On est bon, nickel. Suivant. Je dirais qu'il y en a un qui marche doucement quelque part, non? Moi qui deviens fou. Munitions, on est bon. Ok. C'est pour ça que j'ai rechargé. On n'a pas eu besoin de trop de grenades, mais c'est pour ça que j'avais rechargé le fusil d'assaut. Arriver bientôt à notre heure de vidéo. Je vais faire que des 1 heure à chaque fois. Ouais. Faut bien tirer sur le bout des tentacules en fait, juste avant le point jaune. Là c'est les pires. Ouais, leur couper la queue en fait et les leur rebalancer. Et c'est le plus chiant. Veuillez réessayer ultérieurement. Ouais. Nos munitions de cutter deviennent un peu basses. On peut aller recharger notre stase, honnêtement. C'est pas de la stase, c'est le disjoncteur, je suis con. Bien. On est bon. Mercer, here's Clint. You were in surgery, so I left this with Warwick. He'll be discreet. I just got the latest report from Aegis 7. The situation's worse than Captain Mathias will admit.
50% of the colony's population is now showing symptoms. Depression, hallucinations, more violence. People are dying down there. I know it's linked to the marker somehow, but I just don't have enough data. Mercer, maybe I was wrong. We need answers by any means possible. That patient, Bren Harris, might be our last hope. Kain, c'est un docteur unitologiste aussi, mais qui est un peu moins con que les autres. lui, après, il essaye de faire le bien et tout ça. Security request retrieved. Leslie. I work in the dark with them scratching in the walls. Scratching like rats. And you will lock me in with them. Fuck it. I'll cut them out. Elle a complètement pété un câble. Ne regardez pas si vous êtes... Voilà. J'aime bien. Isaac qui a dû un peu de mal à regarder aussi. Ok, on est bon. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On est à 45 minutes. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah, il nous reste pas mal en fait. Après, il faut trouver le corps du capitaine et tout, ça devient un peu chaud. On peut continuer encore un peu. Alors, hop. Boum. En 3 secondes, comment ça peut partir en couille les chimères. J'adore moi ce côté-là. Vous êtes jamais... du coup, j'ai perdu ma griffe. Moi. Oh. Vous êtes jamais en sécurité en fait. Elle a dû voler quelque part ou elle a volé par une des fenêtres. Ah putain, encore ça. J'ai plus que 3 balles. Plus que 3 balles. Ça, c'est pas très bon. RNG est pas vraiment avec nous, je dois dire. Yes, un peu de RNG. Très bien. Les stages, je crois que ça c'est... Il y a des objets en fait qui sont à 100% à chaque fois. Et je crois que là, les stages, ils sont ici parce que ça va être un peu compliqué. Okay, on est bon. En espérant que ça se passe bien. Ah! Bien dégueulasse.
Putain! Wouh! Oh, vache. J'avais la stase aussi, là, le bidon de stase. Ok, on a bien joué. Ok, très bien. Isaac, what's your status? Do you have the captain's rig? Fuck me! Ugh. Transmitting codes now. I saw it, Hammond. A flying one turned the captain's body into another one of those things. The same must have happened to Chen. God. Maybe the command computer has something. Where's Daniels when you need her? Head back Fuck to the security me. Checkpoint. It's safer there. At least I can upgrade your clearance. Donc ouais, c'est comme ça qu'on crée des nécromorphes. Là, on a bien joué. Le truc le plus important, c'était de tuer celui qui vole, en fait. Donc ne prenez pas beaucoup de temps à tuer le capitaine. C'est pour ça que vous y allez à la mine et tout ça. Parce qu'il est super résistant hein, comparé aux autres nécromorphes. C'est genre peut-être un niveau 3, parce que je crois qu'il y a au moins 3 niveaux de nécromorphes. Les plus dangereux sont avec les yeux rouges et ils ont la peau très sombre en fait. Eux, ils sont super résistants. Mais je crois que lui, ouais, il doit être un niveau 2 ou même un 3, genre spécial, parce que c'est le capitaine. Donc mine, couper, stase et tout, puis après on va vite tuer l'autre. Avant qu'on ait des problèmes. Donc on a le niveau 1. Ok, on va revenir directement là. Là on a la stase. On peut revenir en arrière pour aller ouvrir les portes niveau 1. The computer says the Ishimura's engines are offline. We're on a decaying orbit toward Aegis 7. Oh god. I have to get to engineering. There's no time. That tram station's offline. Unless... Here. Head back to the flight deck. I'll guide you from there. If this damage report's right, there's a shortcut to engineering. Okay, viens ici. Non, viens ici. Merci. Alors, où est-ce que je veux aller? Est-ce que je voudrais m'arrêter en fait? Je voudrais faire une pause. Je voudrais faire une pause. Alors là c'est verrouillé. Ouais non, faut juste repartir. Mais Yann. Alors attendez. C'était. Et là on est toujours à l'ingénieur. Là. C'est là, donc je voudrais retourner au 5e étage. Peut-être le faire après. Je vais peut-être d'abord faire ma sauvegarde et après on verra ça plus tard. Ok, très bien. J'étais même pas allé récupérer les trucs ici apparemment. Niveau 2. Ouais, je vais sauvegarder, comme ça je fais une pause et je me décontracte parce que c'est un peu stressant quand même. Et après on continue. Quel... Parce qu'il y a aussi le truc avec la tentacule là qui va arriver. Ça c'est niveau 2. Donc toi tu veux que j'aille par là. Ah ok. Ah, c'est bon. Ouais, je vais sauvegarder et après je pense que je reviendrai en arrière. Je vais voir ce que je vais faire. Je pense que je reviendrai en arrière et on ira faire les salles niveau 1. Faut que on regarde les munitions en fait. Peut-être qu'on reviendra vraiment plus tard, pas maintenant. Bon. On a ça. En réserve, on a quoi? On a un peu de cutter. Il faut qu'on recharge notre stase, parce que je crois qu'elle est à 0. On a aussi ça, le plasma, l'amélioration, on a 2 points. On va déplacer un truc, on va déplacer un gros soin, enfin un demi-soin. Ouais, c'est pas mal là.
À la limite, on va prendre un stack. C'est pas mal, honnêtement. On joue bien, j'ai envie de dire, on joue bien. Peut-être même prendre un point en plus pour le moment, parce qu'on a quand même un peu de surplus. Et je crois que l'armure niveau 2 arrive quand même un peu plus tard. Hein. C'est dans l'ingénierie, je crois. C'est genre à l'arrière du... à l'arrière de l'Ishimura, je crois. Mais ouais, non, sinon ça se passe bien. Je suis content. J'ai eu un peu peur à des moments, ça se passe bien. On a des munitions. Faudra qu'on augmente les dégâts du fusil d'assaut. Je crois qu'on peut le faire. Et le cutter plasma, on va avoir l'amélioration cutter plasma. Là. Et je crois que la première qui nous donne, c'est celle qui met du feu. Donc on pourra aller la débloquer et ça va nous aider tout le long. Et après je fais plus rien au cutter plasma en fait. Je vais pas l'utiliser vraiment plus que ça. On va utiliser le découpeur surtout. La scie là qui tourne. Non, le trancheur. Trancheur je crois que c'est la grosse lame plasma. Le découpeur c'est la scie circulaire là. C'est vraiment la meilleure arme du jeu. Honnêtement, vous pouvez tuer plusieurs nécromorphes avec. C'est super puissant. Et c'est vachement cool. Donc ouais. À la prochaine. Ciao ciao.